Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, un air de renouveau souffle sur le Soudan. Deux chefs rebelles condamnés à mort par contumace ont été graciés par le Conseil militaire. Un acte fort qui intervient à quelques jours de l'entrée en vigueur du nouveau texte fondamental. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale ne fait pas l'affaire de tous. Au Nigeria, certains entrepreneurs redoutent l'arrivée sur le marché de produits beaucoup plus compétitifs. Un gros plan dans ce journal. Et puis, zoom sur l'histoire du Liberia, pays d'Afrique de l'Ouest, raconté par Christine Tolbernorman, petite fille du président déchu William Richard Tolbert. Mais avant de développer ces titres, les armes se sont tues en Libye, du moins pour quelques heures. Les Nations Unies sont en effet parvenues à un accord de cessez-le-feu à l'occasion de la fête de l'Aïd El-Kébir. Ainsi, depuis ce samedi 10 août à 15h et jusqu'à lundi même heure, les forces armées du gouvernement d'Union nationale et les hommes du maréchal Khalifa Haftar observent une trêve, la première à accepter par les deux camps depuis le début de l'offensive de Khalifa Haftar sur Tripoli. Notons que celle-ci ne concerne ni Benghazi ni l'est de la Libye. Une voiture piégée a d'ailleurs explosé ce samedi à Benghazi, fief du maréchal Khalifa Haftar, tuant deux membres des Nations Unies. De la parole à l'acte, au Soudan, le Conseil militaire de transition a commencé à appliquer les dispositions de la déclaration constitutionnelle signée avec la contestation. Les condamnations à mort prononcées à l'encontre du président du mouvement de libération du peuple soudanais Malik Akar et de son député Yasser Arman ont ainsi été révoquées. Les détails avec Neyle Claude Bessa. Le Conseil militaire de transition au pouvoir au Soudan a gracié deux chefs rebelles condamnés à mort par contumace. Malik Agar, chef du mouvement de libération du peuple soudanais, et son député Yasser Arman avaient été condamnés à mort en 2014 pour leur participation à une rébellion contre le gouvernement du président Omar el-Béchir. Une exemption qui s'étend également à 15 autres membres de ce parti. Nous pensons que, quelle que soit la réconciliation dans un pays après un processus de ce type au Soudan, qu'il faille arriver soit à une justice transitionnelle comme en Afrique du Sud, mais pas d'amnistie générale. Cette décision a coïncidé avec la libération de l'ancien vice-président Bakri Hassan Saleh et des trois dirigeants de l'ancien régime par les autorités de sécurité soudanaises. Les observateurs estiment que cet acte fait partie des mesures visant à créer la confiance et un climat propice, comme le prévoient les accords conclus entre l'armée et les forces pour la liberté et le changement. La révocation, tous ces actes qui sont en train d'être posés doivent être posés devant le droit national qui existait et dans l'accord constitutionnel qui vient d'être signé. Il faut que les populations soudanaises représentées par soient très prudentes en termes de conservation de la bonne gouvernance sécuritaire, de la démocratie, de l'état de droit et des droits humains. Pour l'heure, le Soudan s'investit à construire un nouveau projet national fondé sur la citoyenneté sans discrimination et un nouveau système fondé sur la démocratie et la primauté du droit. Fin du suspense à Madagascar dans l'affaire de détournement de fonds à la Croix-Rouge. Les personnes incriminées ont été jugées par le pôle anti-corruption et ont écopé de 4 ans de prison ferme. Parmi elles figurent le président local et le secrétaire général de l'organisation. Rappelons que le scandale porte sur le détournement de 400 millions d'arari, soit près de 100 000 euros. Les condamnés peuvent faire appel de cette décision devant l'instance de second degré du pôle anti-corruption. La zone de libre-échange continental, bonne ou mauvaise affaire pour le Nigeria? Eh bien, la question fait débat auprès des entrepreneurs qui redoutent de voir le marché inondé de produits bon marché et donc plus compétitifs. Philomène Tine.
La zone de libre-échange continentale africaine a été lancée lors du sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger en juillet 2019. Ce projet d'un bloc économique qui permettra à l'Afrique de générer un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards de dollars suscite la crainte de certains hommes d'affaires du Nigeria à l'image d'Adeleke Adeleye. Directeur général d'une papeterie nigériane en plein essor, il redoute la concurrence. Moi, je considère le Nigeria comme le lion de l'Afrique, où nous avons la plus grande population et le plus grand marché, alors il semble que nous en donnions autant pour pas assez. Par ailleurs, le Nigeria a été l'un des derniers pays d'Afrique à intégrer la zone de libre-échange continentale. Ainsi, la plus grande économie de l'Afrique pourrait stimuler les échanges commerciaux entre les pays africains qui ne représentent que 17% des exportations en 2017. Il faut l'harmonisation du régime douanier en particulier, non seulement des tarifs douaniers, mais aussi des obstacles non difficiles à atteindre et des obstacles techniques. Je pense que ce sont quelques-unes des choses qui doivent être négociées entre les partisans à l'accord pour tenter d'éliminer la possibilité de l'augmentation du dumping et de la contrebande. Toutefois, un produit intérieur brut de près de 400 milliards de dollars et une population de 190 millions d'habitants révèlent des faiblesses majeures pour le Nigeria. Le pays dépend plus sur les ventes de pétrole brut au détriment d'autres secteurs. 7,8 milliards de dollars, c'est le montant mobilisé par la Banque mondiale pour la protection sociale en Afrique. Concrètement, il s'agira de rendre les jeunes autonomes via la création d'activités génératrices de revenus. On fait le point tout de suite dans ce sujet de Nayle Claude-Bessa. Les programmes de protection sociale permettant aux familles de baisser le cycle de la pauvreté ont bénéficié d'un financement de près de 8 milliards de dollars. Les fonds attribués par la Banque mondiale sont destinés à la réalisation de plus de 50 projets sociaux. Pour les observateurs, ces programmes favorisent la résilience des familles en leur permettant de gérer les risques et de continuer à investir dans leur progéniture, même après une catastrophe. Il faut apprécier à sa juste valeur l'apport substantiel de la Banque mondiale, qui est dans son rôle social important d'autonomisation de la jeunesse africaine et de renforcement de capacités. Mais ce que nous pouvons dire a priori, c'est que l'aide à l'autonomisation puisse porter les fruits que n'ont pas pu porter les aides au développement. La Banque mondiale qui intensifie son soutien à la création des emplois plus nombreux et de meilleure qualité dans les pays africains a déjà financé à ce jour plus de 580 projets. Des projets notamment liés à l'emploi pour un investissement total de 75 milliards de dollars. Aujourd'hui, la jeunesse a besoin d'un renforcement de capacité, a besoin d'un accompagnement technique comme celui-là pour renforcer ce que font déjà les États pris individuellement. L'autonomisation va créer systématiquement, si ce n'est à 80, 90%, les conditions d'un développement, les conditions d'une émergence. C'est un début de solution aux problèmes africains. Ces investissements dans la protection sociale constituent un moyen essentiel pour apporter un soutien rapide et direct aux populations touchés par les catastrophes naturelles et l'extrême pauvreté, selon les experts de la Banque mondiale. Dans l'actualité également, les musulmans d'Afrique et du monde entier célèbrent dès ce dimanche 11 août l'Aïd El-Kibir. Il s'agit de la fête la plus importante de l'islam qui marque notamment la fin du pèlerinage à la Mecque. Ce rituel qui constitue le cinquième pilier de l'islam a lieu entre le 8 et le 13 du mois de Dhul-Hijja du calendrier islamique. Coup de projecteur à présent sur l'histoire du Liberia, État fondé en 1822 pour permettre aux esclaves africains affranchis de quitter les États-Unis pour retrouver leurs origines. À ces affranchis se joignent des Noirs américains nés libres mais qui souhaitent vivre sur le continent. Amenedi. C'est en 1822 qu'est fondé le Liberia sur la côte ouest de l'Afrique par l'American Colonization Society. Le but de cette société est de permettre à des esclaves africains libérés de quitter les États-Unis pour retourner en Afrique. À ces affranchis se joignent des Noirs américains nés libres qui souhaitent également aller vivre en Afrique.
Le nom du Libéria tient d'ailleurs son origine de cette liberté nouvelle. Quand les colons sont venus au Libéria, ils ont rencontré un gouvernement autochtone. Fusionné, le gouvernement prend du temps. Il s'agit d'un mariage culturel. Ils ne comprenaient donc pas le système de gouvernement traditionnel, mais ils étaient les dirigeants. Ils ont donc mis au point un gouvernement occidental inspiré de celui des États-Unis d'Amérique. Le retour à la terre-mère n'a cependant pas été un modèle d'intégration. Les Américano-Libériens de la côte ne se sont pas mélangés avec les Africains de l'intérieur du pays, ce qui a conduit à l'existence de deux sociétés parallèles. La langue, la religion protestante et la culture des Américano-Libériens est restée proche de son modèle américain. Nous étions sur la voie du développement. Notre développement a été intercepté avec la guerre civile. La guerre civile a détruit la plus grande partie du système institutionnel. Les gens sont morts. Le système éducatif n'était pas un peu stabilisé. Nous revenons donc sur nos pas et j'ai de l'espoir. Gagnant son indépendance en 1847, le Libéria devient une république, la première en Afrique, même si les inégalités demeurent. Le suffrage censitaire est accessible aux seuls Américano-Libériens qui conserveront ainsi un pouvoir absolu, au moins jusqu'en 1945, année où le droit de vote sera accordé aux Autochtones. Un mot de sport à présent, le volleyball africain n'aura que deux représentants aux Jeux Olympiques 2020. Les Égyptiens et les Tunisiens n'ont en effet pas réussi à décrocher un billet supplémentaire à l'occasion des tournois de qualification olympiques internationaux. Il reste encore un match à jouer pour le Cameroun, l'Égypte et la Tunisie, mais ces derniers ne sont plus en mesure de finir premier de leur poule et ainsi de se qualifier pour Tokyo. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité.